Et hey yo les gars, j'espère que vous allez tous très 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 bien. En tout cas moi, ça va super les gars. On va aller showcase Bergamo que j'ai 13 étoiles maintenant. C'est un de mes coups de cœur du jeu. Franchement, je le trouve déjà de 1 très stylé. De 2, vous allez voir à quel point il est fort et pourquoi il est sous-estimé comme ça, je sais pas trop. Vous allez voir, il est complètement goldé mais les gars. Encore une fois, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Alors pourquoi je joue Bergamo, c'est aussi parce que on a fait un live, ce que j'appelle live PvP roulette. En gros, vous avez tourné une roulette pour choisir une team et j'ai joué Bergamo et je me suis dit non mais il est trop fort, faut vraiment que je showcase. Du coup voilà, je vous le showcase. Et donc les gars, si vous souhaitez soutenir, comme j'ai dit, abonnement, pouce bleu, on se follow également à la chaîne Twitch. Et également pour ceux qui veulent les gars, je l'ai dit en live également, mais je compte faire un truc super sympa derrière moi, vraiment un truc, un mur végétal on va appeler ça, pour que ce soit plus habillé et mettre un petit blast en néon et tout, il y a moins que ce soit très très stylé, mais bon ça coûte pas mal de sous, donc si vous souhaitez soutenir les gars, n'hésitez pas également à vous sub, ça régale. Vous allez voir, c'est fort. C'est très très fort déjà, on va voir vite fait son kit, alors je vais pas essayer de faire en sorte que la tro soit pas très longue, déjà au niveau des stats. C'est un très très bon perso, franchement il a des très bonnes stats, 2 millions 4 de force déjà quand t'as une cap ZHP, donc il va être pas loin des 3 millions. Donc ça c'est fort, il est aussi bien strike que Kikoa le perso, ça c'est encore une fois excellent. La verte qui est trop forte les gars, qui contre quasiment tout. Vous pouvez combo sur tout, 50% de dégâts dispel, vous pouvez dispel à l'infini, beaucoup trop fort. L'ulti qui est un colosso qui peut avoir 70% de dégâts si on a 3 alliés, donc faut essayer de faire l'ulti quand on a 3 alliés, vous allez voir, ça détruit. Donc le main canule et malus quand même, ça c'est très fort. On récupère le ki et on peut jouer l'ulti, bon pas de boost de dégâts mais c'est déjà pas mal. Là on a de la réduction de 30%. On a après ici d'augmentation de dégâts, régénération de force, en bref. Vous allez voir, vitesse de pioche également, c'est goldé. Le but du perso, c'est qu'il se fasse taper au moins, il faut qu'il prenne au moins 3 strikes ou 3 Kikoa ou une spé également pour augmenter les dégâts. Vous allez voir que le perso va être incroyablement complet et surtout il va faire très 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 mal. Donc les gars, maximum de pouces bleus, vous êtes absolument pas prêts. Alors ça les gars, c'est incroyable, on est tombé face au frérot Instant qui est modo de la chaîne. Let's go, masterclass. Ok, ok, bah c'est parti. Trop trop bien, franchement excellent. On va partir, on va commencer comme ça. Bon, il va jouer avec les 3 premiers, on s'en doute. Ça va, Goku et SH3 et pas Z6, heureusement pour Vados. Mais Topo va pouvoir régaler. Et même Bergamo parce qu'il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu en face. Bon bah let's go, c'est parti. Allez c'est parti, bon courage mon poulet, let's go. Allez c'est parti, bon là il a 0 boost, hein. Le perso il a absolument rien, il a même pas les plus hauts de Vados, pour vous dire. Ok let's go. Ah bien joué, ça va être assez fort ça. Attention à mon switch, il est peut-être un petit peu présomptueux. Il va se payer ou pas? Ça me va. En vrai, ça me va. On va soigner direct par contre. Ça me va parce que au moins je suis pas mort ou il a pas pu open le combo. C'est juste ça, mais bien joli. Et là, c'est parti ici. Donc on rappelle, il faut qu'il se fasse toucher. Il s'est toujours pas fait toucher. Et regardez les dégâts qu'il va commencer déjà à mettre. Là, évidemment, ça va faire très très mal déjà. Oh là là, quel perso. Les strikes à 14, la vitesse de pioche. Bien joué. Ça c'est parfaitement joué. Simulti ça me va. Hein. Simulti en vérité ça me va. Ouais. Bon on va le prendre sur Topo. Alors ça sera un petit peu chiant quand même le stun mais bon. Pourquoi pas. Après par contre l'anti-soin qui est fort sur Topo par contre. Et notamment avec Vados aussi le pivot. Ok c'est bon. Il est en train de bien jouer Instant là. Le vrai cover qui passe. Voilà, il y aura un kill. Hein. Regardez les dégâts qu'il met. Il s'est toujours pas fait toucher le perso. Hein. Il s'est toujours pas fait toucher. Oh, j'ai misplay. Ouh là 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 là, j'avais fait n'importe quoi. J'avais fait n'importe quoi. L'ulti qui part ici, ça va tuer. Hein. Ça va tuer. 1,3 million.
Je pense vraiment que ça tue. Il s'est toujours pas fait toucher, donc il a pas 60% de dégâts. Il y a 60% de dégâts qui... Oh là les dégâts. Ah, c'est trop fort. Hein. C'est... Franchement, il fait trop mal. Il fait beaucoup trop mal, le perso. Il est en train de péter, là. Allez, let's go, ça fait, les gars. La win, GG à toi, mon poulet. Bon, dommage, on s'est pas fait taper Bergamo. Si, oui, Bergamo, si elle aurait fait beaucoup trop mal. Mais c'est le game qui me donne le sourire. Allez, GG. Oula, je vous promets, là, ça va être complètement insane. Parce que j'aimerais bien qu'il joue Gogeta Blue. Mais bon, on n'a pas de violet. C'est pas sûr du tout, quand même, qu'il le prenne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie que Bergamo se fasse toucher. C'est important. Et pour montrer également la tankiness, c'est qu'on va partir du coup avec Topo du départ. Non, on va partir avec Vados pour donner du pivot. Allez, let's go. Bon, j'espère que ça va pas lag. Hey, il prend pas Gogeta. Par contre, ça lag un peu. Ça lag un peu. C'est bien ce que je pensais. Allez, on va mettre Bergamo. 3 cartes, faut qu'il prenne. La première. Regardez la tankiness. Hein. Même sur Vegeta Blue, j'ai absolument pas peur. Et encore, on pourrait jouer en Red Red Green, ça sera encore meilleur, hein, je vous dis. Donc là, c'est bon, il a les 3, faut juste pas qu'il se fasse dispel. Je crois, non, d'ailleurs, il fait tout et non dispel là sur le perso. Pff, trop fort. Quand je vous dis qu'il est fort, c'est que c'est pas un troll. Hein. Back over ici. Bien joué ça. Comme ça, on va, là, voilà, on va détruire, ça c'est trop fort. C'est tellement fort. Ok. What, ça passe, hein? Ok. Bah au moins faut voir, les gars. Au moins il faut qu'on voie. Ça, ça peut être cool de voir. Je pense qu'on va prendre midlife quand même, hein. Migaté qui fait mal là quand même, hein, dans sa team, hein. Même plus que midlife. Ah oui, quand même. Allez, let's go! Ça dégage, c'est trop fort. Ce qui cale. Ah non, mais c'est insane. Hein. On va main ici, on va tuer. Hein. Ouais, je vais... Il va mettre black. Ok, il met black. Juste pour voir, les gars, je voulais juste voir. J'aurais pu faire la strike pour faire encore plus de dégâts, mais... Oh, let's go! Oh là là, mais quel perso! Mais quel fucking perso! C'est n'importe quoi! Oh là là, comment c'est fort. Je voulais spé avec Topo de base, mais... Oh là 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 là, mais là c'est bon, c'est le rush hit, non? C'est beaucoup trop fort. Non mais là, là, ce que vous avez vu, c'est n'importe quoi. Bah, je vous ai... Voilà, voilà ce qu'il est capable de faire Bergamo. C'est one shot. Ça, ouais, c'est one shot. C'est complètement one shot. Oh là 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 là, mais incroyable. Ah non, mais là, c'est incroyable. Allez, masterclass, les gars. Cette game, ah, je pouvais pas rêver mieux, je crois. Allez, les frérots, c'est parti. Alors, c'est 18 Zenkai. Bah là, c'est cool de prendre du rouge. Hein. Vados face à Topo, c'est bien. Et pourquoi pas Topo pour tanker ce qu'on pourra. J'aurais bien aimé qu'il joue Bergamo, hein, pour le fun, mais ça m'étonnerait. On part là-dessus. C'est parti. Bergamo qui peut vraiment bien gérer cette 18. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, on a fait tous les deux le même choix. Breakover ici qui était plutôt simple. Ok, un peu grid là quand même. Hein. Un petit peu beaucoup même. On est à dos. Ah, c'est parti pour lui. Là, c'est parti, c'est clairement parti pour lui là, je crois. Bon, la machine est lancée. Et on va mettre Bergamo pour aller prendre les fameuses cartes, les 3 cartes. Let's go. Et vous allez voir que bah, le perso, il tente très très bien ses 18. Hein. Sans souci, et si RR, bah je mets Topo. Bon choix. Let's go, est-ce qu'il va RR? Ça grille un peu ici, hein, ça grille un peu parce que là, en vrai, il va pas faire beaucoup de dégâts son Topo quand même. Hein. Je crois que je l'ai pas touché, même si Vados a les pieds hauts. Ouais, c'est pas excellent. Bon, au moins, c'est passé pour lui. Perfect dodge. Et là on est très très bien par contre. On était bien. On était bien. Oh là 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 là. Oui, vous voyez où je veux en venir, les gars. Je
Je pense qu'il a pas le temps de me remettre au pot, j'espère pas. Ouh là, c'est 18. Oh, elle va prendre cher. Hein. On allait booster tout là. Elle va prendre cher, c'est 18. Hein. Oh, oh là 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 là. Ah non, là, c'est trop. Ah, je vous avais dit, mais quel personnage. Mais quel perso, putain, mais quel perso. Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est... Ah, mais là, vous avez votre showcase. Hein. Non, mais là, vous avez votre showcase. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le perso est quasiment one ulti. Le perso, il one shot tout. Il one shot tout, le perso. C'est... Pour le topo qui va résister, là, mais... Oh là 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 là, mais... Bon, bon, je sais pas quoi dire. Pour le plaisir de vos yeux, les gars, hein, profitez-en. Il a tout fait. Ah, il a tout fait, hein. Non, mais il a tout fait. Je pensais vraiment pas que ça allait faire autant de dégâts, alors. C'est n'importe quoi. Zenka, il a une KZ HP hein, sur le perso, il a des KZ def sur le banc, il a une KZ de Broly jaune. Non, mais je sais pas quoi vous dire, hein. Je sais pas. Ça one shot tout. Il one shot tout. C'est. Ouais. Bah, je pense qu'il va y arriver par contre. C'est mauvaise idée, ça, Brandon, fait ça. Ouais. Mauvaise idée. Mauvaise idée, mauvaise idée. Peut-être l'HP. Bon, alors par contre, si on contre, je vous fais pas de, je vous fais pas de dessin. Hein. Bon, super idée de merde. C'est pas grave, on a quand même de quoi, là, de quoi gérer. C'est 18, mais ouais, grosse idée de merde là. Je me suis un petit peu emporté. Mais bon, quand on voit les PV de C18, ça risque d'être quand même compliqué. Hein. On a une verte là. On va évidemment garder. C'est pas ce que je voulais faire. Ouh là là, c'est tendu, c'est tendu. Je rappelle qu'il a toujours le main de C18, je crois. Un petit terrain là, j'aurais craqué. Ah ouais, il a claqué trop tard. Trop tard. Et oui. Il a claqué un petit peu tard, les gars. Il aurait dû claquer tout de suite, je pense. Il a un petit peu, ouais, dommage. Mais ça fait mal, Topo. Il est largement bien. Ok, on fait esquiver. Je peux pas jouer. Je pouvais pas jouer, les gars. C'est terrible, ça. Ok. Ok. Ok, c'est bon, on décarte. Ok. C'est chaud. Hein. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je pense que je vais spé ici. Ça a tué. Let's go. Game incroyable. On part sur une autre. C'est... Ouais, c'est insane. Allez, c'est parti face à une belle team ennemi puissant. Je pense qu'il y a moyen qu'il joue Broly jaune, hein, ce qui mérite très très bien. En vrai, je pars plutôt confiant pour ce match-up. Allez, on est parti, let's go. Il a... Oh, alors, il a pas du tout pick ce que je pensais, hein, quand je dis pas du tout. Par contre, il y a... Ok, c'est bon. Ça me va. J'ai oublié de commencer avec Topo, c'est vrai, j'aurais peut-être dû... Ouais, j'aurais dû laisser se faire taper. J'ai un peu... ouais, j'aurais dû laisser se faire taper en fait. Ça aurait été largement plus fort. C'est pas grave. C'est pas grave, on aura le temps d'aller chercher les boosts. Hein. Je vois qu'il fait très peu de dégâts dans sa team. Même si Metakula... Mes points de vie ils bougent pas. Mes points de vie ne bougent pas sur Topo. A chaque fois qu'il met une Kikwa, ça bouge même pas. Ah, va pas y en manquer beaucoup. Ok, dispel. On cut le combo ici, si Rising Rush met Topo. Ah, ça va être compliqué pour lui. Hein. Franchement, ça va être très compliqué. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Franchement, je sais pas s'il a récupéré Bojack, mais sinon oui, mais... Ouais, bah non, là, il peut pas. Il peut clairement pas ici, sinon il mettait Metakula et Metakula... Il était mort. T'es fort. Bien joué, il a fait une petite tempo. Qui était assez intéressante. Metakula, non? Si Metakula il met l'ulti, je le laisse. Hein. Oh, allez, disparation, c'est par deux. Ok, bon, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il vise le stun. Ok, ça passe pas à 20% en même temps, je crois. C'est parti, là on va faire trop mal hein, si on l'attrape.
Bien joué. Et ça va tuer en plus, hein, je pense. En contre. Ça, c'est moche. Ne vous inquiétez pas, je vais le mettre, ça sera au moment opportun. Bon, je vois pas comment il va faire. Franchement, je vois pas comment il va faire. Là, on est bien, on a max de pivot sur le Bergamo. Objectif, placer une verte. Hein. Bon, bah là... Voilà. Le perso il fait trop mal. Bah je pense que c'est one shot. Je pense que c'est one shot hein, les gars, je pense qu'on est pas loin. Putain, ouais, peut-être pas non plus mais on était pas loin. Bon ça. Non mais les gars je vous dis le perso c'est incroyable. C'est ouais non mais les gars, est-ce que vous avez vraiment besoin d'autres trucs? Le perso à 13 étoiles c'est complètement... Une machine de guerre, c'est un des meilleurs sparkings du jeu, genre peut-être dans les 15, 10, 15 premiers. Mais après, il faut l'avoir très étoilé, mais quand il est très étoilé, en tout cas, c'est trop fort, il tank, il fait tout. Bref, on a quand même contré Rising Rush, donc merci à tous d'avoir été présents, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, parce que là, je pense que c'est le cas quand même. Merci à tous, et frérot, n'y était pas pour le soutien, le référencement, merci à tous, ciao.